tuez-les. Je ne veux plus voir leur présence. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo plutôt spéciale. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un ne choisissez pas la mauvaise porte. Et du coup aujourd'hui on a trois personnages de Hello Neighbor. Enfin du coup on a trois Hello Neighbor. On a Hello Neighbor normal, donc voilà le fameux Hello Neighbor qu'on a déjà vu, qui essaie quand même de nous tuer dans sa maison. Il y a aussi le Hello Neighbor 3h du matin. Donc c'est un Hello Neighbor qui fait quand même assez flipper, qui fait vraiment des bails très sombres. Et à côté on a le bébé Hello Neighbor. Donc vous pouvez voir que lui il a pas encore la moustache, c'est pas encore un gros daron. Bref du coup les gars, mettez un énorme pouce bleu sur la vidéo, ça me fait super plaisir. N'oubliez pas les gars aussi de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est vraiment super important les amis. Je compte vraiment sur vous pour vous abonner un maximum. Parce que je vois qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de gens qui commencent à se réabonner. Vu que tu vois, je commence un peu à forcer, enfin tu connais les bails hein, tu connais le rituel de s'abonner, liker. Bref aussi parce qu'en fait il y a 70% des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés. Du coup abonnez-vous les gars, c'est très important pour être au courant tout simplement des nouvelles vidéos. Et du coup aussi n'oubliez pas de mettre mon code créateur sur Fortnite, c'est fullboss mon code créateur. Et go me suivre sur Instagram et sur Twitter, fullboss tiré du bas. Voilà, j'ai tout dit, ça me fait vraiment super plaisir. Du coup voilà, je compte vraiment sur vous pour vraiment réaliser tout ça, c'est très important, ça mange pas de pain et puis ça fait plaisir. Du coup les amis, on va directement aller voir le premier personnage, donc le premier Hello Neighbor. Si vous d'autres vidéos en mode ne sais pas la mauvaise porte, avec par exemple ne sais pas avec trois personnages, enfin trois fois le même personnage, n'hésitez pas à proposer le prochain personnage. Donc du coup aujourd'hui on fait Hello Neighbor, n'hésitez pas à proposer un prochain personnage où on fait trois fois le même, donc on fait trois fois une variante. Et du coup voilà, si vous d'autres vidéos avec Hello Neighbor, faut me le dire parce qu'en ce moment on bombarde des vidéos Hello Neighbor, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'en faire. Du coup bah c'est parti, on va aller voir le premier personnage, on va aller voir du coup Hello Neighbor normal, on va voir un peu s'il est sympa. Entrez. Alors what, qu'est-ce que c'est que ça? What, regardez, vous avez vu les gars, il y avait genre du caca et tout. Wow. Coucou Hello Neighbor, comment ça va? Tu fais quoi ici? Tu veux que je rentre? Ouais. Bon, ça pue un peu, mais... Oh, ça sent... Wow! Ouh, ça sent vraiment, vraiment pas bon! Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, il y a un panneau au-dessus de toi. Hello Neighbor a cassé sa cuisine et il a faim, aide-le. Attends, what? Ouais, mais ça pue chez toi, t'as pas cassé que ta cuisine, t'as cassé la salle de bain aussi. Mais non, en fait, je t'explique. Tu vois, tous ces matériels? Ouais. Bah, tout ça, c'était une cuisine. Ah ouais, mais il y a une bombe ou quoi ici? Parce que là, en plus, ta cheminée, gros, elle est... pourri, genre elle est, ça soit elle est moisie hein. Oh bon du coup attends, on va commencer déjà par enlever ces coques là. Mais faut enlever Hello Neighbor, tu veux une belle maison ou pas? Oui. Donc du coup est-ce que tu veux que je t'aide Hello Neighbor? Oui, moi je veux manger là. Ah là parce que là ça fait combien de jours que t'as pas mangé? Ça fait quand même 4 jours. Ah mais du coup tu manges comment? Parce que faut quand même manger. Bah je capture des gens, je les bouffe. Ah ok, d'accord, de type les voisins quoi. Ah, c'est pour ça que tu vis tout seul maintenant. Je comprends. Du coup, les amis, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va aider Hello Neighbor. N'hésitez pas à proposer des idées, simplement, de builds qu'on pourrait faire pour Hello Neighbor. Du coup, là, les gars, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment tout péter pour essayer de vraiment tout remettre à neuf. Là, on va te faire un truc, franchement, BG. Tu vas voir, tu vas kiffer. Du coup, on va un peu tout arranger. Tac. On va vraiment tout péter. Tout. On va juste garder les petites lumières parce que les lumières, elles ont une ambiance assez sympa. Du coup, tac. Alors, du coup, c'est parti, Hello Neighbor. Je vais te faire ta petite cuisine. Est-ce que toi, tu sais cuisiner? Attends, ma petite cuisine? Enfin, ouais, une grande cuisine plutôt. Parce que Hello Neighbor, il a besoin d'une grande cuisine. Ah, ouais. Exactement. Du coup, les gars, on va faire une table de craft. On va lui mettre aussi un four. On va lui mettre aussi un. T'aimes bien les feux de camp ou pas pour faire un genre de barbecue? T'aimes bien les barbecues? Ouais. Ok, on va faire un petit barbecue du coup pour Hello Neighbor. On va mettre des fours, plein de fours différents. Mettre des micro-ondes et tout. Comme ça va être assez cool. Tiens, je te mets une machine pour charcuter la viande. C'est bien ça. Ouais. Ça, c'est la nouvelle machine, nouvelle génération. Ah, tu peux me passer ça, ces blocs-là, les petites dalles de pierre? Ça va m'aider ça. Merci beaucoup, poteau. Tu gères. Du coup, les gars, on va lui mettre un genre de petit évier ici. On va lui mettre aussi un établi pour qu'il puisse faire ses petits travaux manuels. On lui met aussi la petite cheminée, enfin la petite cheminée, non, le petit four. On lui met d'autres fours et on va lui mettre aussi le barbecue. Ou le barbecue, on peut te le mettre peut-être ici. Tu vois, ici, tu peux mettre de la viande et tout. Et tu peux poser de la viande crue et tu peux directement aller manger. C'est ça, c'est pour du coup le robinet. On va préparer ça, on va mettre de l'eau. On va mettre de l'eau dedans, voilà. Du coup maintenant le four est prêt et tout, on va te continuer ta petite cuisine parce que là du coup c'est pas du tout terminé, t'inquiète pas. Ici t'as un petit endroit ici pour un peu cuisiner, poser tes trucs et tout. Du coup je sais pas si on peut te poser quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait te poser? On peut te poser peut-être un petit téléphone, ok, comme ça tu peux répondre. Ah ça c'est une hotte, ça c'est vraiment cool les hottes.
Ça, c'est plutôt intelligent, Alon Ibor. Bien joué. Du coup, les gars, dites-moi aussi dans les commentaires, vous, il y a quoi dans votre cuisine? Si vous avez des hôtes, si vous avez des, je sais pas, des trucs modernes et tout, ou si vous avez des vieilles cuisines. Je sais pas du tout, les gars, parce qu'il y a vraiment de tout, de tout, de tout. Du coup, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu voudrais une petite table pour manger? Parce que tu vas pas manger par terre, toi. Non, je vais manger ici, là. Ah, tu manges là? Et tu veux que tu veux faire quoi, là, ici? Une petite chaise. Ici, je vais mettre un grand tapis et une télé ici. Une télé, d'accord. Bon, du coup, on va mettre une petite télé pour petit Elon Ibor pour qu'il soit content. Comme ça, il va être vraiment très, très, très content. Du coup, les amis, hop, on fait une petite télé ici. Une petite télé ou une grande? Une petite. Une petite. Ok, il aime bien les petites télés, je comprends, je comprends. Hop, hop, hop. Tac, on va lui mettre... Voilà, par on lui contre, met ça. Attention, parce qu'il y a mes voisins là-bas, ils sont pas très gentils. Hein. C'est vrai? Ouais. Tu vas aller leur faire quoi après? Tu vas les taper? Non, parce qu'ils sont plus forts que moi. Ah bon? Ouais. Ah bon, et le neighbor, il est tombé sur plus fort que lui. Bon, bon, en fait, toi, tu t'attaques au plus faible. Ouais. Ah toi. Ouais, toi t'es comme ça. Oh, par contre, c'est un petit peu dangereux cette machine. Tu voudrais pas que je la décale un petit peu? Si, bah mets-la ici là. Ici? Voilà. Vous êtes ici si tu veux. Oui, il faut faire attention avec les nourritures. Hein. Vas-y, du coup, tu sais quoi? Attends, on va griller un peu le barbecue pour voir s'il marche bien. Alors, du coup, on va mettre un petit peu de poulet. Tac, on va mettre du bon poulet. Hop là, on va mettre du bon poulet. Et là, normalement, si tout se passe bien, si j'ai bien allumé le barbecue, le poulet va griller au bout de quelques minutes. Et on va pouvoir se faire des petites grillades. Ça, c'est bon, les petites grillades. T'aimes bien les petites grillades ou pas, toi? Oui. Attends, ah, j'ai cool. Trouvé des antennes, moi. Après, je vais les mettre. T'as trouvé quoi? Ah, les antennes, ça, c'est cool, c'est cool. Si tu veux capter tout plein de chaînes, faut mettre des antennes. Hein. Là, tu fais ça. Ouais. Ah, là, voilà, là, t'es bien. Franchement, là, ça a l'air plutôt pas mal. On va mettre. Franchement, ça a l'air plutôt cool. Hein. J'ai pas de mytho que là, ça a l'air plutôt cool. Là, c'est en train de griller. Du coup, le poulet, il est bientôt prêt. Ah, le poulet est prêt, le Ibor. Ouais. Du coup, je vais en prendre un petit peu. Tiens, je vais t'en donner deux aussi. On va goûter pour voir si le poulet est bon. Est-ce que le poulet est frais? Ouais, ça, franchement, c'est un bon poulet. Hein. Oui. Ouais, tu manges bien, toi, Elon Ibor. Et du coup, toi, Elon Ibor, t'as prévu quoi là? Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu fais ici de base? T'as pas une petite maison à surveiller? Enfin, je comprends pas. Non, mais t'inquiète, bientôt, je vais démolir ce monde pitoyable. Wesh. Okay, les gars, c'est une vidéo où je le tiens à l'œil encore une fois. Parce que lui, c'est un mec qui fait des bêtises. Du coup, toi, t'as été ça ou pas cette année? Le Papa Noël, est-ce que t'as bien récompensé? Non, j'ai pas été sage, il m'a pas donné de cadeau. Pourquoi t'as pas été sage? J'ai braqué une maison. Ah! Et t'as fait quoi d'autre du coup comme bêtise? J'ai braqué une banque, j'ai tué quelqu'un, j'ai mangé des gens. Ah oui, ça c'est... Wow, ça c'est pas très gentil ça J'ai fait un kamikaze, ouais, j'ai fait plein de choses. Ah, d'accord. Bon du coup, je vais te laisser mon petit Elon Ibor, en tout cas, bonne journée. Oh, par contre, fais gaffe au barbecue parce que du coup, ça risque de prendre feu si tu le laisses trop allumé. Donc n'hésite pas à l'éteindre après. Donc je sais pas si on peut l'éteindre directement. Est-ce que tu penses qu'on jette un seau d'eau dessus, ça l'éteint? Oui. Voilà, nickel. Du coup, Ma maison. Oh merde, j'ai pété le barbecue. Bon, tant pis pour le barbecue, tu vas en racheter un. De toute façon, ça coûte que 500 balles. Donc c'est pas très très grave. Du coup, Elon Ibor, oui, je t'ai aidé, Elon Ibor. T'as pas un petit cadeau pour moi? Oui. C'est quoi? J'ai ça. J'ai trouvé ça dans la maison. Oh, merci beaucoup, une petite clim. Ça, les amis, c'est super cool. C'est une clim simplement pour avoir moins chaud l'été. Du coup, bah merci beaucoup, Elon Ibor. T'es le poteau, frère. Merci. Hein. Allez, ciao. Du coup, les amis, voilà, on a été voir du coup Elon Ibor normal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le bébé et on va terminer par simplement le 3h du matin. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller voir le bébé. Et puis, du coup, c'est parti. Hein. Hop, 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 les amis, on est directement parti pour aller voir le bébé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre Elon Ibor préféré. Donc là, on a été voir le normal. On va aller voir le bébé et mettez des petites notes sur 10 sur chaque Elon Ibor pour voir quel est vraiment le top du top. Oula, 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 il y a l'air d'avoir quelqu'un de assez excité là-dedans. Il y a quelqu'un? Wow, 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 wow. Oh, coucou bébé, coucou. Salut bébé, Elon Ibor. Un inconnu. What? Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il doit avoir peur de ses voisins. Si je dis pas de bêtises. Alors du coup, regardez là, il y a un petit panneau. Essayez de le lire les gars dans les commentaires pour voir s'il y a des gens qui savent bien lire le français. Alors là, il y a écrit quoi? Bébé veut une belle maison pour se cacher de son voisin. Wow! Bonsoir. Wow! Non, t'inquiète, je suis pas ton voisin. Si si. Non. Je viens d'aller voir ton papa. Attends, c'est qui ton voisin là qui te veut du mal? Comment il s'appelle? C'est le 3h du matin. Mais non! Ah, mais je vais le voir juste après ton 3h du matin. Bah, il va te découper. Oui! Non, t'inquiète pas, moi je suis full boss. Y'a personne qui me découpe.
Je fous le boss tout le monde même. Du coup, attends, c'est quoi cette maison qui pue, là? Ton papa aussi, il avait une maison qui pue. Il avait cassé son quoi four. Hein? J'ai aidé ton maison papa. Qui pue? Il avait cassé... Ouais, sa maison, elle puait comme ici. Ah, parce que là, il y a du caca partout, bébé. Mais c'est bien le caca, là. Ah non, c'est pas bien le caca, ça pue, les amis. Attendez, on va ouvrir la porte. Parce que du coup, là, faut que l'air, elle sorte un peu, mec. Parce que ça sent vraiment... Oh! What? What? Tu viens de lâcher une crotte. Hé, hey, tu fais du caca vert, c'est normal, ça? T'es pas un peu malade? Bah, j'ai mangé des algues. Ah ouais! Enfin, dites-moi, les gars, si vous faites du caca vert, parce que moi, personnellement, non, mon caca, il est pas vert, frère. Non, non, non. Toi, ton caca, il a une drôle de couleur, hein. Bah, c'est normal, j'ai mangé des algues. Ouais, mais pourquoi tu manges des algues? T'as rien à manger, toi? Bah oui. Attends, tu sais quoi, on va mettre la clim. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il m'a donné ça. Vu qu'il sait que tu pues, il m'a donné une clim. Du coup, tu sais quoi, on va installer une clim là-haut. Comme ça, bah, ça va pouvoir un peu enlever les mauvaises odeurs. C'est bien, ça va aspirer les mauvaises odeurs. Du coup, attends, comment tu veux que je t'aide, du coup? Vu que tu sais, vu que tu m'as dit que t'avais un voisin tueur, comment tu veux que je t'aide? Je veux une maison moderne. Je veux une maison moderne. Ah ouais, 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 donc t'as cru que j'étais le Père Noël, quoi? Bah oui. En fait, moi, je sers à refaire les maisons, c'est ça le bail? Oui. D'accord. Bon, bah, du coup, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller aider le petit, le bébé Elon Ibor, pour qu'il puisse avoir maintenant une belle maison. Donc je pense que ça va être plutôt cool, donc franchement les gars, restez bien jusqu'à la fin pour voir vraiment l'autre personnage juste après. On va venir voir le 3h du matin et vous allez voir que celui-là, il va être vraiment ouf, 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 il va être épique. La vidéo va être épique les gars. Du coup, bah bébé Elon Ibor, toi tu veux que je te fasse quoi dans ta belle maison? Qu'est-ce que tu veux avoir? Moi je veux un grand lit. Un grand lit. Une grande baignoire. Ok, toi tu veux un grand lit, une grande baignoire. Et de la lumière. Et aussi je veux un couteau. Oula, les couteaux, ça c'est pas pour toi, hein. C'est pas bien les couteaux. Mais, hein. Parce qu'à chaque fois, l'autre il vient chez moi et il me tape. Bon, on verra à la fin pour les couteaux, ok? On verra après. Ouais. Parce que les couteaux c'est quand même dangereux, hein, bébé, faut faire attention. Hein. Faudrait pas que tu te fasses mal avec ou qu'il t'arrive quelque chose, sinon ton papa il va pas être content. Hein. Mais déjà, j'ai un pistolet. Bon, déjà, je t'ai mis des petits écrans, est-ce que ça te fait plaisir? Ouais. Si tu veux jouer au jeu. Ouais, mais j'ai des trop petites mains. Ah, t'es trop petit. Si tu veux, je te le mets par terre, attends. Ça, tu joues comme un clochard par terre. Quoi? Non, comme un pro-gamer. Parce que tous les pro-gamers, ils jouent par terre, hein, les amis. Enfin, non, n'importe quoi. Qui joue par terre? Sincèrement, qui met son PC par terre? Franchement, c'est un peu chaud de jouer par terre. Ça fait un peu mal au dos partout. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une magnifique baignoire. Tu vas voir, un genre de grosse, grosse, grosse baignoire. Je pense que tu vas... Oui, une grande. Encore non, plus une grande. Grande. Ah, encore plus grande. Donc voilà, tu veux une baignoire comme ça, c'est ça? Ouais. Ah, là, je pense qu'il va kiffer la petite baignoire. Du coup, on lui prépare sa petite baignoire. Voilà, l'eau, elle est toute chaude. Est-ce que tu veux que je te mette des trucs chauffants? À goût de bélier. Est-ce que tu veux des trucs chauffants, bébé? Non, je vais me cramer. Mais t'inquiète, ça chauffe pas trop. Un mode jacuzzi, c'est un mode jacuzzi, ça tue. Ah oui. Comme avec ça, au moins, tu pourras te détendre. Si, au moins, tu peux dire, si y a le mec qui vient te tuer, au moins, il te tue dans un jacuzzi. C'est stylé, quand même. Ouais. Ah, lui, il marche pas trop, on dirait. Ah, si, il marche. Voilà, il y a les petites bulles. Il suffit de l'actionner, voilà, c'est bon. Du coup, les gars, dites-moi si qui dans les commentaires a un jacuzzi. Moi, personnellement, j'ai pas de jacuzzi, mais franchement, ça a l'air vraiment ultra, ultra cool, les jacuzzi. Du coup, voilà, je t'ai mis un grand lit, un jaune et bleu. Je pense que c'est tes couleurs préférées, parce que je vois tout le temps que t'es habillé comme ça, bébé. Oui. Donc, du coup, je t'ai mis du bleu foncé et du jaune. Est-ce que tu veux que je te fasse une jambe? J'ai dit un grand lit. Ah, mais il est grand, ton lit, toi, t'es tout petit. Non. Si, c'est bon. Non. Mais t'es tout petit, frère. En plus, là, il va se noyer dans sa piscine. C'est un fou. Bref. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lui créer... qu'est-ce qu'on pourrait lui créer? Je vais essayer de regarder un peu ce qu'il y a. Tout simplement pour voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre. Ah, peut-être on pourrait lui mettre des... comment ça s'appelle? Des petites toilettes. Ça pourrait être cool, des toilettes. Ah, voilà, je t'ai fait des petites toilettes, regarde. Comme ça, ici, tu peux faire les toilettes. Tu peux regarder juste devant toi pour voir s'il y a quelqu'un qui arrive ou pas. Tu peux vraiment débarquer direct, ça c'est cool, non? Ouais, mais combien elle a combien de vie ces toilettes? Bon, elles sont quand même assez costauds. Du coup, là, tu pourras faire tes petites affaires dans ton petit toilette. En plus, c'est un toilette de bébé, donc c'est parfait. What? Ah ouais, t'as fait un énorme lit là, c'est vraiment. Oui, je voulais un grand lit, mais. Moi. Tu veux faire quoi dans ce lit? Tu veux inviter quelqu'un ou. Je vais faire ça. Oula! Oula! Oula là 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 là! Je sais pas trop ce que c'est. Enfin, en tout cas, les gars, je pense que, à mon avis, bébé le Nebo, il va danser la salsa. Toi, t'es quelqu'un de cocasse, non? Je vais danser la salsa avec une fille. Oula! Oui. Non, ça va aller, ça va aller. Du coup, ouais, bébé, du coup, là, toi, t'es un mec assez chaud, non? T'es un mec assez chaud, toi. Oui, oui. Par contre, tu m'expliques pourquoi t'as déjà la petite moustache comme ton papa? Parce que, en fait,
Il a coupé sa moustache, il me l'a collé, et voilà. Ah ouais, par contre, parce qu'en fait ça fait vraiment super moche. On dirait que t'es vieux et tout, hein. On dirait vraiment que t'es pas Hein? beau. Bah t'es vieux en fait, t'es pas beau, genre t'es pas un beau gosse. Sors. Wow, ok. Les gars, il me tire dessus, Je vais aller me cacher, Wow, vite, vite, vite. Ok les amis, bébé Lonely Bore, il est vraiment pas content. Donc après on va aller voir le 3h du matin les gars, donc c'est plus qu'à la fin. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se cacher dans l'arbre. T'es mort dessus. Wesh, il est là. Ok, il est là. Wow! Ok les gars, on se cache, on va voir ce qu'il fait. S'il re-rentre dans sa maison ou pas. Du coup, on va attendre qu'il re-rentre dans sa petite maison et après on va aller l'espionner vite fait dans sa nouvelle maison. Voir s'il s'habitue, s'il fait des trucs bizarres ou pas. Ok. What, c'est un mec qui vient de s'enfuir de... Les gars, il y a un genre de villageois qui est rentré dans la maison du 3h du matin. Donc je sais pas trop ce qu'il va faire. Wow, il est encore là, le bébé. On va esquiver le bébé vite fait. On va l'esquiver, hop. Maintenant, on va aller lui rendre visite. Allez hop, on va lui rendre visite. Tac. On va le voir vite fait, on va l'espionner. Eh hey, oh, dansez la salsa. Dansez la salsa, eh oh. Ok, d'accord. Il a l'air plutôt content. Bon bref, ça c'est super cool. Il a l'air content de son nouveau lit et tout. Du coup les gars, mettez vraiment un maximum de likes et on se retrouve du coup pour aller voir. Wow, le 3h du matin. Et regardez, what? Les gars, il y a des... Il y a des torches du rituel. What? Ok, ça s'annonce très très mal pour le 3h du mat. Franchement, je pense que ça va être vraiment super super chaud. Du coup, allez les gars, on est parti pour aller voir le 3h du mat. Ok, du coup, les potes, on est directement parti pour aller voir le dernier Hello Neighbor. On va aller voir du coup le Hello Neighbor à 3h du matin. Du coup, regardez, watch, il est là-bas. Du coup, regardez les bas, il est là-bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le rendre visite. On va voir un peu ce qu'il fait, s'il fait des bails vraiment bizarres ou pas. Parce qu'en tout cas, il y a pas mal de monde qui me disent que Hello Neighbor à 3h du matin, il est très chelou. Alors, je sais pas vous, si votre Hello Neighbor, il est très bizarre à 3h du matin. En tout cas, le mien est très chelou. Ça, c'est sa petite maison jaune là-bas. Elle fait vraiment flipper. Oh! Ok, toi, tu bouges. Du coup, on va aller voir vite fait ce qu'il fait. Ok, on se met comme ça, il nous voit pas. Ok, il a changé la porte. Je sais pas les gars si on toque ou si on rentre vite fait. Attendez, on va attendre qu'il se passe quelque chose. Et on va ouvrir la porte discrètement. On va voir s'il parle ou s'il fait des trucs. Oh, il va aller embêter bébé. Ok, il est parti embêter le bébé. Ok, là, wow, qu'est-ce qu'il fait avec le rituel? Wesh, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites monsieur? Léon est coincé, aidez-nous. Oula, vous voulez que je vous aide? Mais comment vous voulez que je vous aide? Parce que c'est un peu compliqué là. Oh mince, il y a quelqu'un qui arrive. Oh les gars, je suis cassé dans le placard de Hello Neighbor. What the fuck? Faut vraiment pas qu'il me voit. Attendez les gars. Oh, coucou! Coucou Hello Neighbor! Salut, ça va? What les gars, il a des yeux rouges et tout, je l'avais pas vu! Oh wow, qu'est-ce que t'as fait là? T'as mis des... Oh. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je sais pas, y a lui qui a essayé de libérer les autres. Oh! Oula! Il l'a tué! T'as pas l'air très très gentil, Hello Neighbor 3h. Va dans la cage! Pourquoi? Va dans la cage! Oula! Ouais, du coup, attends, je vais dans la cage, ouais. Non, pourquoi? Attends. J'ai faim. Ah, si tu veux, t'as faim. Si tu veux, je peux te donner de la nourriture, Hello Neighbor. Je peux te donner des bons burgers ou... Tu veux quoi, toi, Hello Neighbor? Attends, Hello Neighbor veut terminer son rituel. C'est quoi, ça, le rituel? C'est quoi? Va dans la cage. Oula, bah, elle est fermée. Enfin, elle est ouverte. Oh, il s'enfuit. Wow, go, enfuyez-vous. Wow. Il y en a plein qui s'enfuient, Hello Neighbor. Oh, il y en a plein qui s'enfuient, moi, je dis, hein. Vous pensez qu'il va faire quoi aux gens qui sont en fuite? Mettez-moi tous un commentaire avant qu'il le fasse. Vous avez 3 secondes pour dire. Oula. Bon bah ceux qui ont dit qu'il allait les tuer, bah vous avez raison. Du coup les PNJ, sortez pas s'il vous plaît, ok? Sors pas Jackie, Michel tu sors pas et Bernard tu sors pas. Taisez-vous. Ouais, taisez-vous les gars par contre là. Faut éteindre toutes les lumières. Oula. Il fait quand même des trucs assez bizarres, pas ce mytho. Bon du coup Ouh, il fait sombre tout d'un coup là, Hello Neighbor. Il fait assez sombre. Au nom du Dieu, du Père et du Fils, j'invoque le Tout-Puissant, démon Gorgon. Qu'est-ce qu'il fait? Les gars, il y a. Je sais pas, oui, pas ce qu'il bon sait. Je pense démon Gorgon, ça va être un mec de Stranger Things. Donc dites-moi qui c'est, les gars. J'espère que vous allez m'aider. Par contre, là, Hello Neighbor est en train de faire une invocation. Diable. C'est quand même assez flippant.
rentrer en contact avec nous. Oula. Tuer ces hommes-ci ici. Tuez-les. Je ne veux plus voir leur présence. Qu'est-ce qu'il fait? What? Wow. Les gars, est-ce que vous avez des armes? Est-ce que vous avez des épées, des trucs? Non. Vous êtes que des monosourcils. D'accord, super. Merci de m'aider. Du coup, là, c'est un peu la panique. Il y a une grosse araignée pas belle. Oula! Il y a des araignées qui arrivent au-dessus. Ça a l'air pas très très cool tout ça. Wow, les gars. Il est en train de faire son rituel bizarre là. Je pense qu'il va terminer son rituel. C'est quoi? On va envoyer les araignées sur les PNJ. C'est quoi? C'est ce qu'on va faire? On va les tuer ces PNJ du coup. Hop, mode égorge. On va tuer un peu tout le monde. C'est bon, j'ai accompli le rituel, Elon Eibor. J'ai tué les PNJ. Je n'ai pas fini. Faut faire quoi maintenant? Je dois tuer les araignées. Au nom du Dieu, du fils du diable, je veux que cet homme meure. Oula! Non, je vais rester en prison. Je suis très très bien en prison. Tac, on va rester en prison, on est très très bien là. Ouais. Je suis très très bien dans ma cellule. Tu sais quoi, je vais même m'enfermer dans une cellule de 1x1 parce que je suis tellement à l'aise dedans que bah, j'adore cette vie. Je vais rester dedans les gars, je suis vraiment très très à l'aise dedans. Hop là, je vais rester en position fœtale. Tika. Où est-ce qu'il est parti le Naibor? Attendez. On va voir un peu ce que c'est dans le coffre. Oh les gars, regardez dans le coffre. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coffre? On est dans le coffre du coup de Elon Neighbor à 3h du matin. Du coup, il y a une genre d'épée en fer. Du coup, on va prendre l'épée en fer vu qu'elle est un peu plus forte. Il y a aussi un totem d'immortalité. Il y a une carapace. What, la porte, elle s'est ouverte, les gars. Il y a une... What? C'est de la viande humaine! C'est quoi, ça? Wesh. Oh! Tu manges la viande d'humain? What, les amis? De la viande humaine? Elon Neighbor, tu t'es sûr que ça va, là? Tu manges des humains, là? T'es au courant? Oula! Ça va, tu... Je pense que ta langue... Prends tout ça. Ah. Oui. Prends ça. C'est quoi? Oublie tout. Ok. Ah, maintenant, tu vas tout perdre. Hop, donne-moi à manger. Où suis-je, maître? What? Qu'est-ce que je dis? Wow, qu'est-ce que je fais là? Wow. Ok, je me taille d'ici. Wow! Super jump! Wow, faut que je vais essayer de me cacher dans cette grotte. Ah, le jour. Oh, what? Non. Les gars. Je vais me faire tuer. C'est un cul de sac, les amis, Oh, hello, Naibor, coucou, ça va? Tu veux être mon esclave? Sinon, est-ce que et si je refuse? Une balle. Ah, bon, bah, je pense que je vais être ton esclave avec plaisir. Ok, suis-moi. Bon les gars, on va suivre le Naibor. Oh regardez son... Dans sa nuque, c'est tout rouge. On dirait qu'il a eu un bain de sang et tout. Franchement, on voit qu'il est quand même assez ensanglanté, le petit Naibor. Il fait quand même assez flipper, on va pas se mytho. Dites-moi les gars, quel est votre Naibor préféré? Moi personnellement, je pense que c'est le bébé Naibor. Qu'est-ce que tu fais, Jérôme? Oh, coucou GG. Qu'est-ce qu'il fait, Jérôme? Qu'est-ce que tu fais? Oula, pauvre Jérôme. Il a fait quelque chose de mal, Jérôme. Il a essayé d'invoquer Dieu. Ah ouais, elle a voulu se sauver, je pense. Après, il a peut-être eu raison, hein. À toi d'invoquer Dieu. Si tu finis mal, c'est une balle. Si tu réussis, tu vas réussir. Alors, les abonnés, mettez un maximum de likes et mettez tous full boss libéré. Comme ça, hop, le rituel va être terminé. Oh, c'est un signe! C'est un abonné! What? Il a tué un abonné, les gars! Je me taille d'ici! Les gars, il y a Elon Neighbor, il vient de tuer un abonné! Je vais te découper! Oh, les gars, je sais où je vais me cacher! Hey, Elon Neighbor, je vais me cacher chez toi! Quoi? Je vais me cacher! Les gars, tu sais quoi? On va aller directement, on va faire une petite course avec le. Regardez, Elon Neighbor, 3 du matin, il court un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre une petite longueur d'avance et on va aller directement dans sa petite maison. Regardez ça, les amis, c'est la maison de Elon Neighbor. En plus, là, c'est un peu le jour, du coup, je sais pas pourquoi, mais il a l'air assez robuste vu que là, il résiste encore. Du coup, on va directement remplacer sa petite porte. On va essayer de se. La plaque de pression, elle marchait pas, les gars, c'était vraiment bizarre. Attends, recule un petit peu. Merci, Elon Neighbor. Ok, je me suis caché. Je me suis caché dans la maison d'Elon Neighbor. What? Ok. Du coup, il va où là? Ah! Wesh! Il a pété un truc le. Ok.
Je me taille. Du coup, les amis, c'est la fin de la vidéo sur Minecraft, du coup, avec le mauvais Hello Neighbor, les gars. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, bah, les gars, bombardez la barre de pouce bleu, abonnez-vous, commentez, partagez. Ça fait plaisir, je vous dis pas souvent, mais partagez un maximum les vidéos, c'est super cool ceux qui font ça. Et puis voilà, les potes, c'était full boss, du coup, proposez-moi d'autres n'hésitez pas là à faire. Et sous les deux du doc et le neighbor, et ben faut me le dire dans les coms, c'est très important, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires entre vous, ça c'est toujours très très cool. Et puis voilà, passez une bonne journée les gens, c'était full boss, ciao!